souviens? Tu te souviens quand la classe c'était d'avoir un 386 ou un 486? Mais pas n'importe lequel, un DX. Ouais, avec le copros arithmétique. Comme ça, il calculait plus vite et puis tous les jeux que tu faisais tourner dessus, s'ils étaient dans ce nouveau mode qui venait d'apparaître, qui était la 3D, ils carburaient plus. Ouais, c'était la classe, hein, tu te souviens? Et tu te souviens donc quand est apparue cette technologie qu'on appelait le voxel? Oui, un système pour donner une vision de modélisation très complexe pour les décors, en utilisant moult astuces basées sur les fractales, entre autres. Tu te souviens de tout ça? Ouais, qu'est-ce qu'on avait pu se marrer avec ça? Alors, un des meilleurs exemples qu'on avait, c'était ce jeu d'hélicoptère qui était assez terrible, qui s'appelait Comanche. Ouais, il était bien, hein. Eh ben, il est revenu, Comanche. Oui, on est en 2021, nous sommes en août. Et voilà qu'apparaît sur les différents stores et en matérialisé, peut-être, ce gros, ce gras, ce grand remake de Comanche. Et moi, vous me connaissez, dès qu'on fait voir des remakes, j'ai ma myrtille, elle est toute excitée, quoi. On y va. C'est lui, il arrive. Vous cherchiez l'émotion. Vous en aviez marre des avions. Vous souhaitiez ne plus rester par terre. Et vous préférez les hélicoptères. Ça tombe bien. Regardez où je vous emmène. Oui, aujourd'hui, on va découvrir un nouveau blender à cet appareil Alice qui permet de découper tous les aliments, absolument tout. Et on mettra différents objets dans ses pales et on verra si will it blend, comme le veut la légende. Comanche, le retour, près de combien d'années après? Ouh là là, ça ne rajeunit pas ça les gars, c'était quand? Non, me dites pas, je veux pas le savoir. Welcome to Comanche Pilot, do you want to go web? Oui, il va nous falloir ça. Est-ce qu'on a le droit de jouer au pad en 2021 dans Comanche? Yes, c'est cool. On va voir si on peut mettre aussi le jeu en français, ce serait pas mal. Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai même pas regardé les options du jeu. Camera view, machin, moi j'accepte tout, je suis un naïf, je suis un idiot. Et alors, je peux monter et descendre avec les gâchettes, avancer et reculer avec le stick, me déplacer latéralement avec le stick droit. Non, me déplacer latéralement avec le stick gauche aussi et... Ah, arrête tes conneries, toi. Et je peux faire YO avec le stick droit. C'est le retort de queue, ça, en fait. Comment ça, on n'a pas de retort sur la queue? Si, regardez les garçons, vous allez voir. On y va. Alors, si je me moque déjà, oui, on peut dire déjà parce que j'avais vu venir le titre de loin et je me suis dit. J'avais vu venir le titre de loin et je m'étais dit, quelle idée de ressortir Comanche tout ce temps après, puisque effectivement à l'époque c'était quand même une sacrée sortie. Le titre avait impressionné parce que la technologie voxel avait changé la donne et les décors étaient quand même vachement détaillés par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avec de simples polygones. Ça marchait très bien. Oui, mais j'ai regardé Left Man, c'est bon. Good. Now to the right. Non, mais tu nous fais chier. C'est bon, j'ai bon, là je peux rentrer chez moi.
Mais j'ai fait tes 50 km/h, qu'est-ce que tu nous casses les burnes? On y va! Ah, je vais le tomber dans la flotte cet hélico s'il continue à me... dessus. Regardez, on est à plus de 50 miles per hour. Bon, on avance, c'est une évidence. On va passer là parce qu'on est des saletis. En tout cas, c'est très bizarre. On se demande ce qu'il aurait passé dans la tête de nous sortir Comanche en 2021. Parce que des jeux d'avions, il y en existe toutes sortes déjà. Des biens en plus. Et ils sont dérivés en différents styles. Il y en a qui sont plus simulation, il y en a d'autres qui sont plus action. Et je suis pas persuadé que jouer avec Comanche, ce soit un truc qui excite et les jeunes et les moins jeunes. Dans un univers où on en a déjà vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, il n'y a pas d'effet waouh, c'est de la 3D, hein. On est habitué hein, depuis un certain temps. Don't worry, Rook. The missile's payload is neutralized. It shouldn't harm us. Just try not to crash in the process. Good. Your HUD should display a lock-on state with the enemy aircraft. When it flashes orange, the system is good. One more time. C'est pas super excitant. Alors, on sait pas s'il a engagé ça y est, Locke. J'avance plus là du coup. Pas sur moi. D'accord. Faire ça, man. Le crosshair, c'est celui-là? Non, c'était l'autre. C'est celui qui est lié à ma vélocité. Oh, il est super casse-boule. On va le dire directement. C'est le truc inutilisable, quoi, par excellence. Déjà mieux, ça fait beaucoup de commandes pour pas grand chose d'utile. Ouais. Ce soupir, je crois qu'il a résumé beaucoup de choses sur ce que je pense de ce Comanche édition 2021. C'est gentil d'être venu, c'est gentil d'être passé. Mais voilà, ne manquerait-il pas quelque chose, hein? Ouais, je vais vérifier si j'ai pas oublié un spot là. Bon, ça va. J'y vais, boss, on y va. Suivez-moi. Oui, quelle vélocité, mes amis. En tout cas, oui, j'y reviens. À Comanche en 2021, bon, c'est bien peut-être pour les personnes qui n'y auraient absolument jamais joué. Mais alors pour les autres, mazette, mazette, mamazette, top. Quel intérêt. On peut le dire comme ça. Quel intérêt, quoi.
Ce jeu n'est pas super excitant, ce jeu n'est pas super enthousiasmant. Il y a trop de commandes pour que ce soit accessible par un noob. Donc du coup, c'est pas assez simplifié pour qu'un casu s'amuse vraiment avec. C'est pas ultra compliqué pour qu'un mec qui aime la simulation et veut faire vraiment de l'hélico s'éclate aussi. Mais ça a rien sur les points. Et du coup, c'est un goût fade. On dirait, c'est un peu le surimi de l'aviation. Je crois qu'on va garder l'expression, elle est pas mauvaise. Mais c'est ça, voilà. On est dans le surimi de l'avionique. Sir, it looks a little small for us to enter. Should we use the drone? Affirmative, pilots. The Comanche is equipped with a set of drones. Ah, il y a des nouveautés, il y a le drone. Oh, regardez, the drone. Deploy the drone and investigate the signal, but be warned. The drone has a limited operating range. Oui, comme tous les drones. Allez, on. Oh, regardez, je suis en drone. Si au moins il y avait une course de drone. Hein, si au moins c'était bon dans ce point-là. Si au moins le drone avait l'idée de tracer. Non, parce que là, Y, B, B, c'est quoi, turbo? Hop, hop, hop. Ouais, non, c'est bon, il trace. Mais j'ai compris. Et il peut tirer. Pute, pute. Pute, 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 pute. C'est le bruit, hein, c'est pas une insulte. What? Ah, il faut attendre pour que ça recharge? Are you kidding me? Are you mocking myself? Are you être pas sympa? Bon, on va passer où on peut, hein, c'est plus simple, plutôt que de se battre avec des cailloux. Donc elle y est la fonction pour tracer, heureusement. J'ai bien fait de me plaindre, hein. Il l'aurait jamais mis ici, non. Mais ça dure pas longtemps. Quoi d'autre? What else? Nous pouvons nous infiltrer discrètement pour pouvoir filmer des zones et espionner. Sir, it's a submarine wreck with some generators. Ah non, je peux péter des trucs carrément. Okay. These generators are dime a dozen, Rook. How about we give our esteemed colleagues a little repair project on their return? They shouldn't have left them on standby in the first place. Probably why they switched back on. Use the drone's main weapon to neutralize the generators, Rook. Note that moving and firing with the drone is less accurate than firing from a steam. Ça lui a rien fait, c'est un peu comme si j'avais craché sur un poney pour l'arrêter. Alors on joue avec la perte de signal pour atteindre les cibles, ça donne au titre un suspense insoutenable, quoi, littéralement. Mais purée, qu'est-ce qu'on se fait yèche, quoi, je confirme. Les mecs, vous avez voulu faire quoi? En plus, c'est des torpilles, quoi, c'est même pas des missiles, ils partent pas droit. Je vise là-haut, le truc, il va dessous, c'est témoin. Et il met quand même 10 secondes à recharger. Donc je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ce jeu qui fait tout sauf envie. Pow. Ouais, on va se faire le deuxième avec la même technique, hein, parce que c'est chiant comme la mort. Et puis on s'en va vite. Retourner dans le ventre de maman, l'hélico-mère. Oui, l'hélico-père et l'hélico-mère, c'est très connu. Humour. Un série d'humour, là. Generators offline, sir. Sir? This is Vanilla 2. Come in, sir. Ah, on abandonne les drones, on est comme ça, quoi. Sir? C'est un jeu qui est pas très écolo, hein. Allez, ciao. Understood, sir. Rook, switch back to the Comanche. Don't worry about the drone, Rook. We're outfitted with more. Take the Comanche to the way. J'y suis déjà, pauvre tâche. Non, mais il m'a mis colère, ce jeu. Je m'attendais à quelque chose de chouette, un minimum. Mais alors, quand vous jouerez, les grands, faites pas voir ça aux kids. Parce qu'ils vont vraiment se foutre de votre gueule. Hein. Et encore, ils se foutront de votre gueule s'ils sont soft. Moi, je vous jetterai des cailloux carrément, quoi.
Mais ce purée de jeu, c'est même pas un hommage, il fait pas envie, il est pas bandant. Graphiquement, il y a rien qui poutre. Niveau maniabilité, c'est pensé du mieux qu'on pouvait, mais ça fait pas faire des buzz sur des slips, quoi. C'est un jeu d'hélicoptère, quoi. Ah, ferme ta bouche, toi. On va aller à ce join us on Discord. Je vais pas y aller parce que ça va que mal se passer. Je vais me faire virer. Oui, single player. Alors, il y a du multiplayer. Ça peut être pas mal. Mais si le netcode est à la hauteur de ce qu'on vient de voir déjà là, ça va pas aller très très loin, je pense. Donc, cette première prise en main de Comanche n'invite absolument pas à aller plus loin. Là. Comment il sait que je suis Frollman? Et même les géométries sont complètement à la ramasse. Alors je vous donne la config sur laquelle ça tourne. Là on est actuellement au QHD. J'imagine que c'est tout au taquet. Je vais regarder si j'ai accès aux options. Vidéo. Windows full screen. On s'en bat les smash. Mais voilà, c'est. Voilà, full screen. On est en QHD, carrément. Vous, votre stream, il va être en 1080p, normal. Et tout est au taquet. Voilà. Mais c'est pas un problème de ça. Non, c'est pas un problème de ça. Le problème, c'est les géométries. Regardez ces géométries des années 70. Alors, bon, un Comanche, oui, certes, c'est très anguleux. Mais regardez les géométries du décor. C'est la peine en marche. La peine en marche. Méfiez-vous d'ailleurs, bientôt il y aura Le Pen en marche. mec, t'as pour 5. Oh yes. Et voilà. Non mais ce jeu, c'est... Essayez-le si vous pouvez, s'il y a une démo avant de craquer pour, parce que ça va calmer vos hardeurs, quoi. Et même les hardeurs confirmés vont avoir des problèmes de goût, quoi. Je peux raser un peu. Vous me noyez même, regardez. Je vais vous faire la musique. Allez, c'est parti. Qui c'est qui fait le vieux Santini? Allez les gars, dévouez-vous. Ouais, tout le monde sait très bien à quoi je fais référence. Alors Michael, t'as encore fait le con avec les hélico au-dessus de la flotte? Oh. Moi? Mais non, regarde, je suis vachement ouf. Sa mission, on s'en fout, on est venu là pour récupérer les noix de coco. D'ailleurs, j'en ai coupé avec les balles de l'hélico. Je vais dans les cocotiers. Oui, les cocotiers, c'est important de prononcer bien les noms. Vous allez voir comment on ramasse des noix de coco avec un hélico. Arrête-toi. Bon, là, allez, ça. Au moins, vous êtes prévenu dans cette émission pour un truc. Ah, ça coupe même pas les cocotiers. Si ça, c'est pas moche. Non, le niveau de détail est à la ramasse totale, quoi. Ce jeu est une déception, ce jeu est un... J'allais dire un écœurement, c'est peut-être un poil exagéré, mais... J'ai envoyé mon drone. Voilà. Le scénario, même sans le connaître, on le connaît déjà. Allez, j'envoie le drone. Ouah. Hey Billy, qu'est-ce que tu fais avec ton hors-bord? Il est mignon de la pépé sur le pont avant. Même la vitesse, on n'a pas l'impression que ça va vite, quoi. C'est... Ah, pu. Ouais. Oui, j'essaie de rester en mode fréquentable. Alors, Michael, qu'est-ce que tu fous avec cet hélico, là? T'as trouvé des meufs en bikini? Parce que moi, j'ai le disque dur qui attend, là. Bah là, je veux dire... je sais plus comment il s'appelait, le vieux Santini, c'est ce que c'était son prénom. Ah, attendez, j'ai eu un truc, là. Le drone sous-marin, oui, ça existe déjà. Ne vous moquez pas. Vous aussi, quand vous serez grand, vous rêverez tous d'avoir un drone sous-marin. Attends, j'avais un interact, la connerie. Ça a du mal se passer.
secret. Handyman, looks like our boys aren't here. Vanilla, there's one more small craft unaccounted for. Maybe they have escaped into canyon. Oui, allons voir dans le canyon. C'est parti. Vous êtes bien avec Monsieur K dans The Big Kowski. On teste comment ce jeu merveilleux d'hélicoptère qui n'aurait jamais dû ressortir, honnêtement. Ah, piou, piou, piou. C'est pour les avertir. C'est pour les avertir. Au début, je suis sympa, mais après, ça va partir en couille, je vous le dis. Bon, je les avertis, ils m'avertissent aussi en me tirant dessus, hein, faut dire. On va engager là. Qu'est-ce que c'est quoi? Attends, regarde-moi ça. Ça va, yesh? Ouais, ouais, faites les barbeaux, les nazes. Je l'avais un peu pas loqué, le gars, hein. Je me remets l'assistance parce que là je faisais de la... Comment on dit déjà? Du cac. Je tiens un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Je l'ai neutralisé, j'ai pas besoin de le faire exploser, je suis un mec cool. Putain, mais c'est même pas des Sidewinder, c'est des trucs même pas guidés, quoi. Je tire d'abord, on verra après. Ouf. Bonus, rien, un petit kit de soins, un sparadrap pour mettre sur la carlingue. Ouais, vide grenier, quoi. Derrière, c'est avec moi, ouais, c'est avec moi. Attends, parce que il aurait pu se prendre un missile, quoi. Je le dis, je le pense. Mais bon, pour revenir à ce que je disais, en 2021, ce comanche-là, c'est... J'allais dire, c'est tonteux. Non, c'est pas tonteux, mais c'est... C'est paradoxal et ça manque totalement d'intérêt, quoi. Il n'y a aucun effet wow, et on est dans une génération où les titres qui sortent, s'ils n'ont pas un minimum un effet wow, et si on respecte vraiment Comanche, on se rappelle qu'effectivement, quand il était sorti originalement sur un 486DX, la première fois où on lançait en... Je sais même plus en combien c'était comme résolution, ça devait même pas être du 640-480. Ça devait être du 320-200. On avait lancé ça en 320-200 sur notre PC haut de gamme de l'époque, avec son coprocesseur arithmétique, et on était sur le cul, littéralement, quoi. Là, non, c'est pas du tout le cas. Là, on a juste envie de passer à autre chose. On est triste. C'est la tristesse. Regardez-moi ces textures. Regardez-moi ces géométries. Vous savez ce que je vais faire, les amis? Moi, je vais m'arrêter là. Je suis dégoûté. Ouais, j'ai fait ma demi-heure de stream. Là, je suis pas payé, hein, si je fais plus. Et donc, je vais me poser comme une merde là-haut. Alors, je pense qu'il y a encore un truc de drone. Une connerie dans le genre. Mais voilà, déception ce Comanche, grosse déception. Alors on s'attendait à un jeu hommage et là c'est un jeu fromage quoi. Regardez comme on s'ennuie, on fait ça linéairement, sans trop réfléchir. C'est... Vanilla 2 to Dog Lord Actual, do you read? Over. This is Dog Lord Actual, reading you loud and clear, Vanilla 2. We lost you for a while. Give me a sit rep. Half of Frogman is KIA. I repeat, half of Expeditionary Force is KIA. They were attacked by unknown Op 4. Hostile radio jammer prevented any outgoing distress call. Jammer has been neutralized. Status unknown for the other half.
This is Frogman Actual. We've taken heavy casualties. We're holed up in an enemy structure further into the canyon. We have intel on the UAV's location. Je vous aurais laissé les dialogues. Un scénario en carton, plan, comme on les connaît déjà tous. Un hommage qui n'en est pas un. Une souplesse et un gameplay qui est pas plus excitant que ça. Oui, tu es bien dans Comanche 2021. Et je sais pas si ça vaut vraiment le coup de t'avoir réveillé pour ça. Voilà, je vous fais des bisous. Moi, je m'en vais me cracher au fond de ce passage-là. Parce que c'est... Vous ne verrez pas ça, ce sera dans les nuages. Hey Michael, tu esquintes pas l'hélico, hein, si tu fais des conneries avec, tu payes. Je vais me faire enculer, moi, quand je vais rentrer encore, tu vois, ça va pas rater. J'espère qu'il sera bourré. Je vais faire un petit détour avant, ça il picolera plus. Parole de Michael. We can use the geography to our advantage. Looks like there's a few good hiding spots among the rocks.